Alors, bienvenue à tous pour le couplet et le refrain d'Hotel California. J'avais déjà fait l'explication détaillée de l'intro, mais jamais le couplet-refrain, donc on va le voir maintenant. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé l'intro, eh bien, ça va être facile pour voir la suite des 8 accords que vous voyez apparaître maintenant. La petite histoire, je la rappelle, le morceau a été composé à l'origine en mi mineur, et d'où, du coup, la célèbre intro. Mais ensuite, comme ça ne correspondait pas à la voix du chanteur, il a été mis en si mineur. Donc la ruse, c'est qu'une partie des guitaristes chante avec le, enfin joue sur la guitare avec le capot en cassette, ce qui permet du coup d'être en si mineur, mais en même temps d'avoir une position de mi mineur, ce qui permet de faire toujours la célèbre intro. Voilà, donc si vous voulez en même temps pouvoir jouer cette intro et en même temps chanter les paroles, hein, ce qui correspond à l'original, eh bien il faut jouer en capo 7 à cette hauteur, en mi mineur, donc en position de mi mineur. Alors voyons les accords. D'abord le mi mineur, ensuite le B7, 6/7e, le D2, c'est-à-dire D sus 2, c'est comme un ré majeur, on enlève le doigt de l'accord du bas. Ensuite, A7-9, basse do dièse, en fait il est facile à faire. Corde 5, casse 4 avec l'annulaire, et corde 4, casse 2 avec l'index. Voilà. Et évidemment, si on fait ressortir la basse, on frotte à partir de la 5e corde. Do majeur, Sol majeur, et AM7, c'est-à-dire La mineur 7, c'est comme un La mineur, mais on enlève le doigt de la corde 3. Voilà. Je vous conseille, notamment si vous êtes plus débutant, avant de travailler les paroles, amusez-vous à faire tourner cette jolie suite d'accords. Donc mettez la vidéo en pause pour que vous n'ayez aucun problème pour enchaîner tous ces accords. Vous pouvez par exemple le faire, si vous voulez, en rythme feu de camp, vous voyez. Le rythme feu de camp, c'est bas. Voilà, je pars du principe que vous savez bien enchaîner maintenant tous ces accords, ce qui va nous permettre comme ça de mettre en place ces paroles. Comme d'habitude, d'abord on va placer les paroles de manière très précise avec des frottés bas, qui correspondent au clic du métronome, et qui permettent du coup de bien respecter l'original, parce que le chanteur c'est aussi le batteur, Don Henley. Donc les paroles sont vraiment précisément calées sur la batterie. Et pour vous aider, par exemple vous avez vu, il y a marqué EM, il y a un petit trait dans le vide, ça veut dire que l'accord est frappé avant que les paroles ne commencent. Le horn va commencer à contretemps, mais j'ai souligné en plus deux syllabes, dark et high. C'est pas qu'il y a un changement d'accord, c'est une petite aide que j'ai mis en plus, parce que moi ça m'a aidé quand j'avais travaillé le morceau. Ce sont des syllabes qui tournent précisément sur le temps, c'est-à-dire sur le clic du métronome, et ça va être comme ça le même principe pour tout le couplet. À chaque fois c'est deuxième et troisième temps. Et ça va nous permettre comme ça de vérifier à chaque fois que quand on chante, on est bien en place. Je vous montre par exemple le premier, On the Dark Desert Highway, ça va faire comme ça, en frappant avec les doigts. 3, 4, on the dark desert high, vous voyez? On frappe d'abord la première accord, ensuite on, c'est en remontant, c'est à contretemps, dark, c'est sur le deuxième temps, et ensuite quand on va dire high, on est sur le troisième. Je le refais, 3, 4, on the dark desert highway. Je vous propose de le faire avec moi, passer du temps à travailler comme ça une petite portion, parce que vous verrez qu'après c'est toujours pareil. Donc avec moi ça va faire comme ça, 3, 4, on the dark desert highway, ensemble, 3, 4, on the dark desert highway, encore, 3, 4, on the dark desert highway. Voilà, et maintenant on va remplacer par les frottés bas, je vous le montre avant, 3, 4, on the dark desert highway. Oui, vous avez vu comme ça, le dark et le high, c'est quand vous frottez vers le bas pour le deuxième et troisième fois, ce qui vous permet comme ça de bien vérifier. Et vous verrez que la suite, c'est exactement pareil. Je vous montre le premier vers en entier. 3, 4. On the dark desert highway, cool wind in my hand.
warm smell of colitis. Vous voyez, même rythmique tout le long. Alors bien sûr, après pour le couplet, pour les autres couplets, il y aura des variantes. Et puis le refrain sera un peu différent. Mais là, comme ça nous permet de bien on va dire, choper le groove du morceau. Je vous propose, comme d'habitude, faites que des frottés bas et ne chantez pas pour le moment. Écoutez-moi chanter, comme ça vous allez mémoriser facilement la mélodie et la rythmique. La musique, le chant commence sur le si de la corde 2, à vide. On attack, desert away, on attack, desert away, cool in my hand. Attention, c'est parti. Faites des frottés bas et écoutez simplement la mélodie. 1, 2, 3, 4. On attack, desert away, cool in my hand. Warm smell of colitis rising head through the heaven. Up ahead in the distance I saw a shimmer in light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop on the night. On le reprend. 3, 4. On a dark desert highway, cool in my hand. Warm smell of colitis rising head through the heaven. Up ahead in the distance I saw a shimmer in light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop on the night. Voilà, tout à l'heure on verra aussi le couplet de le refrain. Je vais maintenant vous montrer la rythmique. Donc le but, ça va être de faire la rythmique précisément celle que fait la batterie, on va la faire à la guitare pour bien faire ressortir comme ça la rythmique des paroles. Donc on va la faire de manière graduelle et je vous la montrer là, comme quand dans le précédent tuto que j'avais fait pour Parce que c'est toi d'Axel Red. Vous allez voir, c'est le même principe. Donc on va remplacer chaque frotté bas par deux frottés bas, mais on rajoute les hauts, ce qui va donner. Donc en tout, vous voyez, il y a 8 bas. Hein. Et en même temps, 8 hauts par accord. Voilà, et maintenant, pour être dans l'esprit du morceau, on va pulsionner cette rythmique, c'est-à-dire qu'on va mettre des temps forts et des temps faibles et alterner des graves et des aigus. Donc le premier bas, on le fait plus fort et on touche la basse de l'accord. Le deuxième, vers le milieu de la guitare, pas trop fort. Le troisième, c'est dans les aigus. Ça va correspondre à la caisse claire, tout petit K, vous voyez. Et le quatrième, pas très fort, ce qui va donner. Et avec les bas hauts. Et comme je l'avais montré aussi pour Parce que c'est toi, pour plus faire ressortir du coup le troisième temps, les aigus, la caisse claire de la batterie, on peut bloquer les cordes. Et là, pareil, je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué dans un premier temps, ne faites pas les paroles et la guitare ensemble. Travaillez les paroles sans la guitare. Je sais que c'est difficile pour la plupart d'entre vous, mais faites cet effort et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Voilà, donc maintenant, on va utiliser cette rythmique pour travailler, pour répéter le couplet 1 et le couplet 2. Et on va directement enchaîner sur le refrain numéro 1 parce qu'en fait, le refrain, ce sont juste les accords qui changent un petit peu de place, mais il n'y a aucune difficulté particulière, c'est la même rythmique guitare. Vous verrez les accords, il y a juste évidemment les paroles, la mélodie un petit peu différente à mettre en place. Donc, on enchaîne couplet 1, couplet 2, refrain 1, avec cette rythmique bien pulsionnée. Si vous êtes plus débutant, vous pouvez très bien ne pas bloquer les cordes. Quand vous faites les aigus, vous pouvez aussi faire juste des bas hauts simples, ou pourquoi pas faire juste des frottés bas pour mettre en place tout ça. Donc faites ça selon votre niveau. Et puis comme d'habitude, quand vous reviendrez en arrière, vous pourrez faire que les paroles sans la guitare, ou la guitare plus les paroles, enfin vous ferez tout. Attention, ça va commencer comme ça. On attack desert wind, cool will in my hand. Attention. 4.
On a dark desert island, cool wind in my hand, warm smell of coolies rising head through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmer of night. My head was heavy and my side gritting, had to stop on the night. There she stood at the doorway, I had the mission bell. And I would think to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them saying, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room in the Hotel California. Any time of you, you can find it in. Allons, on refait encore une fois. 1, 2, 3, 4. On a dark desert island, cool wind in my hand, warm smell of coolies rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmer of night. My head was heavy and my side grating, hard to stop on the night. There she stood at the doorway, I had a mission then. And I would think to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room in the Hotel California. Any time of you, any time of you, you can find it here. Alors, bienvenue maintenant pour le travail du couplet de refrain, mais cette fois-ci avec deux arpèges, un débutant et plus avancé. Vous voyez apparaître simplement le premier arpège, hein, je vous le montre tout de suite. Ça va être un arpège simplement où on va remplacer les quatre frottés bas, par exemple du mi mineur, on va remplacer par 8 notes, c'est-à-dire deux fois un arpège à 4 notes. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est que là, à chaque fois, la première des quatre notes, ça va être la basse de l'accord. Donc là, c'est un mi mineur, on va faire la basse mi sur la sixième corde. Et ensuite, les trois autres notes, ça va être les trois cordes aiguës avec index majeur annulaire. Voilà, un arpège très simple à quatre notes. Ce sont des croches. Donc quand on en fait quatre, ça fait deux temps. Pour faire une mesure entière, le mi mineur entièrement, il y a quatre temps, on va le faire deux fois. Et ensuite, pour les autres accords, on va simplement refaire toujours ces trois notes aiguës, mais c'est la basse qui va changer, donc il va falloir repérer la basse. D'abord, je vous montre ce que ça donne, pour y voir que c'est joli. 3, 4. On a dark desert island, cool wind in my hand, warm smell of coolies rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmer in the night. My head grew heavy and my side grew dim. Had to stop on the night. Vous voyez, avec un petit arpège simple, ça peut être très joli si les paroles sont bien pulsionnées. Alors, on repère les basses. Donc le mi mineur, sixième corde. Vous pouvez les noter sur un bout de papier ou un fichier si vous avez envie. Le B7, ça sera la basse à la cinquième corde. Le D2, D sus 2, ça sera la quatrième corde. Le A7, 9, basse, do dièse, ben, le do dièse, c'est la cinquième corde. Donc c'est dans le tuto hein, qu'il y avait déjà l'explication, je vous le rappelle, de toutes les positions d'accord. Et tous ceux qui sont membres du VIP Club pouvaient évidemment télécharger la nouvelle tablature entière que j'ai faite des paroles avec les paroles soulignées, les accords. Ensuite, le do majeur, la basse, c'est la cinquième corde. Le sol majeur, sixième corde. Le AM7,
La mineur, cinquième corde. Et puis le dernier B7, bon, on l'avait déjà vu au début, cinquième corde. Donc à chaque fois, on va changer simplement la basse, voyez. Alors, je vous propose, eh bien écoutez, là, partons du principe là aussi que vous êtes un petit peu entraîné à faire cet arpège d'abord en mettant la vidéo en pause. On va chanter le couplet 1, le couplet 2 jusqu'au refrain, inclus, avec cet arpège à 4 notes. Et ensuite, après, on verra l'arpège pour ceux qui sont plus avancés et qui donnent un effet différent. Ça va commencer comme ça. 3, 4. On attaque des tower. Warm smell of colitis. Attention ensemble. 1, 2, 3, 4. On a dark desert highway. Cool and warm. Warm smell of colitis. Rising up through the heaven. Up ahead at the distance. I saw the shimmering light. My head will have and my side grew dear. Had to stop on the night. This is to the doorway. I had a mission, Ben. And now I think to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room in the Hotel California. Any time of you, any time of you, you can find it here. Voilà, alors je rappelle que ceux qui veulent travailler en version frottée, c'est dans le tuto 1. Je vous rappelle aussi que dans le VIP Club, j'avais déjà fait en vent plusieurs tutos complètement détaillés sur la célèbre intro. Hein. Donc c'est pour ça que là, je ne la réexplique pas. Maintenant, je vous montre un deuxième arpège plus avancé que vous voyez apparaître. En fait, là, on va faire plus ce qui correspond à la pulsion de la batterie originale. Tum, ti, ka, ti, tum, c'est va faire. En détail pour les cordes parce que vous avez la tablature sous les yeux. Le principe c'est que le pouce va frapper la basse et ensuite là vous avez le choix. Moi je joue, j'ai tendance à jouer qu'avec le pouce et l'index, ce type d'arpège. Mais vous pouvez jouer évidemment les aigus avec trois doigts si vous voulez. Voilà, et là bien sûr, eh bien, vous voyez avec les paroles ça va très bien aller, je vous le montre. 3, 4. On a dark desert highway, cool wind and morning, warm smell of colitis, rising head through the air. C'est plus, on va dire, dans l'esprit du morceau, de la batterie. Et vous voyez apparemment un deuxième arpège, en fait c'est quasiment le même. C'est une petite variante pour créer un petit rebond rythmique, c'est-à-dire qu'on fait la première note, c'est la même, deuxième, c'est la même. Troisième, c'est pareil, mais la quatrième, au lieu de faire une croche, on va faire deux doubles croches comme ça. Et je vous montre comment il tourne, ça fait ça. En fait, quand moi je joue le morceau, je peux utiliser une alternance un peu ces deux arpèges, ce qui va permettre de créer des variantes. Alors vous pouvez très bien faire que le premier, ou très bien de faire que le deuxième, ou de temps en temps le premier et le deuxième. Je vous montre avec le deuxième, ça donne ça. 3, 4. On a dark desert highway, cool in my hand, warm smell of colitis, rousing up through the air. Vous voyez, ça crée un petit rebond, ça donne une petite rythmique en plus qui est agréable. Je vous propose donc, pour terminer ce tuto arpège là, de faire couplet 1, couplet 2, refrain, pareil. Vous pouvez faire soit que l'arpège 1, soit que l'arpège 2, là, dans la variante, hein. Ou alors alterner les deux. Attention, c'est parti. Et on aura terminé comme ça ce travail sur le couplet et le refrain. Attention. 1, 2, 3, 4.
4. On a dark desert highway, cool and mohen. Warm smell of colitis, rousing head through the heaven. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head will have an unsigned routine, hard to stop all the night. This is to the doorway, I have the mission then. And now I'm thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them sing, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room in the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Voilà, ce tuto est terminé. Juste, vous l'avez peut-être remarqué, quand je joue, à la place des moments de frapper uniquement la basse avec une corde seule, pour cette première note, à des moments, je fais un petit frotté, ce qui donne plus de pulsion. On a dark desert highway, cool in my hand. One smell of coolitas. Bon, là, j'ai un peu exagéré pour que vous l'entendiez bien. Au début de chaque accord. Voilà, c'est encore une petite variante pour donner un peu plus de rebond au morceau. Je vous embrasse et je vous dis eh bien, à bientôt.